Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. On se retrouve pour la suite après un petit temps de pause qui implique évidemment le boulot. Donc, on va continuer l'IU tranquillement. Et puis, j'ai pu voir aussi qu'il y avait des nouveaux événements. Donc, ce serait top que j'augmente de niveau un peu plus. Il faudrait que j'arrive, je crois, au niveau 30 ou 35, je sais plus, pour pouvoir avoir accès à certains events. Ok, donc, prochaine quête de l'IU. Hop. Se téléporter. Alors. Tac. Il faudrait que... J'indique la quête à suivre. Salut Silex, comment tu vas? Ah mince, faut que je monte. Eh bah écoute, nickel, tout va bien. Non, faut descendre. Oh là! Mais non! Bah non, c'est tout en haut, mais qu'est-ce que tu me racontes? Puis moi j'allais t'écouter en plus. Tu commences mal. Hein. Ouais, je devrais pas t'écouter comme ça. Je devrais le savoir depuis le temps. Hein. Mais ouais, tranquillou, Liu, on continue. Ah, il faut que j'aille tout en haut. Effectivement. Y'a pas d'accès simple là? Oh, ils m'aident pas le machin. Ah, là, je vais être bloqué tout en haut si je passe par là. Oula! Oh, j'ai eu un bug! Si je passe par là, ça devrait être pas mal. Attends, il aurait peut-être fallu que j'attende d'avoir de l'endurance. Quoi de beau? As-tu passé une bonne journée? Ah, c'est le moment détente là. Toi aussi t'as joué? Ouais, aujourd'hui j'ai plutôt fait le ménage, lavage de voiture et tout. Les trucs bien chiants. Plutôt par là. Mais il faut bien. J'ai un petit peu joué ce matin. Tranquillou, faire mes quêtes quotidiennes. Mais ouais, le réel. Ah. Des fois, on s'en... Me donner de la thune aussi, tu peux. Moi aussi, j'ai besoin de thune, t'inquiète. C'est vrai que ça fait du bien, un peu de thune. J'ai hâte que la fin du mois arrive, là. Peut-être m'arrêter, là, dans le creux. Pour récupérer un petit peu d'endurance. Voilà. Hop. On reprend. Ça se trouve, il y avait un chemin plus simple, mais bon. C'est pas grave, je le connais pas encore. Ouh, c'est loin en fait. Y a un méchant ici. Avec un coffre. Ce sera pour plus tard, je pense. Quoique, si je le fais pas maintenant, je le ferai peut-être jamais. Freeze.
blade. Cool it. Ready, steady, go. Freeze. Don't get frostbite. Duh. Prepare to be blown away. Oh la vache! Putain, il m'a tué! Oh l'enfoiré! Ah, ça m'a déverrouillé le coffre, ça c'est pas mal. Ah, il y a un truc qui glisse. Voilà. Bon, il a même pas perdu de vie l'enfoiré. Bon, il est parti. Bon, allez, c'est pas grave. Tu fais la quête de Natlan. Natlan. Je sais pas ce que tu... Je sais plus. C'est quoi cette quête? Attends. Mince. C'est ici. La cité flottante. Non, il parle pas de Natlan. Natlan. Je sais pas qui. Allez, on recommence. La nouvelle zone. Ah ! Ah non, je l'ai pas encore faite. Si tu fais cette quête en premier, t'as 500 primo. C'est-à-dire, si tu fais cette quête en premier. En premier de quoi ? C'est que de l'escalade. Quel intérêt ? Oh, je crois que je vais pas avoir assez. En gros, si tu fais la quête à Natlan avant une certaine date, t'as 500 primo. Non, ce que tu fais à là maintenant, que de l'escalade. Oui, 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 c'est que de l'escalade que je fais. Bon, j'ai pas assez d'endurance là. Faut qu'on recommence. Ah! Tired. Merde. Attends. Ouh, ouh, ouh. Ah, bah, j'avais oublié ça. Du coup, je vais passer par où, moi? Aïe, 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 aïe. Peut-être un endroit plus simple. Ouais, déjà ici. Attaque pour pas mourir. Bah ouais, mais j'ai essayé, mais ça a pas voulu. Elle a pas voulu attaquer. J'ai pas compris. J'ai fait clic droit, clic gauche avec la souris. Pardon. Qu'elle aurait dû. Faux spam. Ah bah pourtant j'ai bien appuyé plusieurs fois. Hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça arrive. Souvent. Trop collé au mur, donc c'est possible. C'est fort probable d'ailleurs. C'est long, hein, c'est long. Quelque chose de chiant quand il faut escalader comme ça. Nomad. Je connais pas. Ah d'ailleurs, en parlant de perso, j'ai eu 5 persos. J'ai fait des invocations là, il y a quoi, il y a 3 jours. Et j'ai eu... Attends, je vais te montrer. Je suis contente hein, quand même. Hein. J'ai eu... Tac. Ah mince, c'est pas ici. Bah. Ah oui, non. Là, j'ai eu Jean. Donc trop bien. J'ai eu... Mialani. J'ai eu... Et puis bah du coup, les 3 derniers. Donc Kachina... Candace... Et Bennett.
Mais ouais, je suis trop contente. J'ai eu 2-5 étoiles. Avec les nouvelles invocations, c'est top. Après, qu'ils soient cheatés, bah, je m'en fous, c'est pas grave. Au moins, ce sera plus simple. Bah ouais, j'ai fait quoi? J'ai fait 5 invocations. Et du coup, j'ai eu 5 persos. Donc, trop bien. Oh non! Faut que je le batte, lui? Non. Non, je suis pas dans la même zone. C'est pas possible. Je vais pas m'embêter à faire lui. Ah. Un feu follet. Ah! Cinématique. That's the Jade Chamber. Qu'est-ce que j'utilise pas? Attends. Je viens de dire quoi? Je parlais de mes persos, mais après... aucune idée. Qu'est-ce que j'utilise pas? Bah si, je les utilise. Bon après, Jean et Mulani, si, je peux les utiliser aussi. Elles sont pas là que pour faire joli. Mais pour le moment, non, j'ai... Quoique, je les ai augmentées au niveau 20 ou 40, je sais même plus. Bon, je regarderai après. Paimon's supposed to be your guide, but Paimon doesn't know where the way up to the Jade Chamber is. Mulani surf, donc pour explo, c'est bien. Ah, ok, bah je la prendrai pour mes explorations. Tranquille. Well, since we want to go to the Jade Chamber, heading to its location on the map is the sensible thing to do. Let's look around. There has to be a way up there nearby. Alors, donc, et j'ai vu un feu follet. Il est où? Je suis arrivée où? Pourquoi ils m'ont déplacé comme ça là? Qu'est-ce qu'il vient d'apparaître? Alors là, je vois pas d'animaux. Non, pas de. Comment s'appelle ici? Géo? Ah l'enfoiré! Qu'est-ce qu'il fout là? What? Il s'en va où? Oh! Il est en plein milieu du. Bah génial! Bon bah j'irai une autre fois. Ah ça c'est activé. Ok bon je le ferai après. Donc ça je sais pas à quel moment il s'active mais j'ai pas envie de l'activer parce que je les aime pas ces monstres là. Tiens il y a une plateforme là-bas. Oh. Since this is the right place, it must have something to do with the Jade Chamber. Yes, this must be the way. Allez, un petit coup de vent. What, ça m'emmène nous là, comme ça? Ouais, mais enfin... Ils ont disparu les cercles. Non, 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 non. On recommence. Recommence, recommence. Ok. Ah, il faut rentrer. Bah non, tu vois, tu viens de me dire une bêtise. Faut y aller tout en haut. Et bah non. Tu vois, elle me dit de rentrer au port. Huh? Why? Or... Oh, Paimon gets it.
If it was a secret, Ganyu wouldn't have let us try to find it ourselves, right? All right, let's follow your plan. Then we can... Oui, le vent a son temps, mais apparemment, ça aurait pas été suffisant. Enfin, peut-être que... Enfin, bref. Je vais essayer. Oh. On sait jamais. Hang on a moment. Look down there. Looks like we've gotten close to the Guizhong Ballista. Paimon has a new idea. En tout cas, c'est pas par là qu'ils vont m'emmener. J'aurais pu planer jusqu'à la plateforme. Ah, oui. Oui, c'est vrai, oui. Why don't we shoot you up to the Jade Chamber using the ballista? Tac. Oh, right. This method does seem a bit unsafe. Je t'ai sur Discord. Bah, je crois. Attends, je regarde. Oui, c'est toi que j'ai sur Discord. Oui, oui. Parce que... Oh, that's right. Now that you mention it, we could use the Guizhong Ballista to see if there's another way up nearby. Ouais, avec plaisir, on pourra farm les boss. Carrément. Ouais, si je galère. Après, pour le moment, j'ai pas encore galéré. Ça, c'est sûr. I'll keep this close. Ah, ça m'a donné que ça ? Oh, les enfoirés, ils sont radins. Ah, ah bah non. Oh, ok. Je vais aller activer le point là-bas. Hop là, ça c'est fait. Après, il faut aller... Ah oui, là. Ça va peut-être être plus simple de par là que d'ici à passer par les montagnes, quoi. Ah, il le suit déjà. On va voir. Je vais essayer. C'est pas grave. Parce que là, si je fais comme ça, je vais peut-être pas pouvoir retourner... Alors, de préférence, faut faire l'attaque avant de toucher le sol. Parce que tu prendras zéro dégâts comme ça. Parce que j'ai pris des dégâts ? J'ai même pas vu que j'avais pris des dégâts. Ah. Bah, je pensais qu'on prenait pas de dégâts quand on faisait ça. Attends, il y a un animal là. Eh ben, je vais passer par ça, d'abord. Attends, faut être sûr de passer dessus. Boum ! Voilà. Teste, tu verras. Ah mais je te crois. Y a pas de souci avec ça. Ok, on est juste à côté. Il y a des gens, je pense que c'est des méchants. Je sais pas, j'ai toujours un doute quand je vois des gens. Ça va me débloquer une cinématique, non? Ah non. Des méchants. Ils sont où? Ok. Ah! Un coffre. Oh!
approcher, eux. I'll protect us. Windblade. Tu vois, je fais bien de me méfier des gens. Bon, du coup, c'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Donc j'imagine qu'il faut que je monte encore. Oh. Et si c'était au-dessus, là? Ouais, mais c'est pas gentil, tu te méfies de moi? Je me méfie de tout le monde. Hop là. Et ben c'est pas ici. Bon. Va falloir que je m'embête à aller tout en haut. Non, je peux pas d'ici. Voilà, je vais être bloqué. Ouais, d'ici ça devrait pouvoir le faire. Non, ou pas. Voilà, allez. T'as bien raison, Kappa. Kappa, c'est une marque. Oula, failli faire une bêtise, moi. Alors, est-ce qu'il y a un coffre par là? Je peux passer là-dessous? Ouais, mais il n'y a pas de coffre. Kappa! Ah! Ah oui, d'accord. Ok, j'utilise jamais les émotes. Halt! Halt! Who trespasses on these hallowed grounds? Exactly. What are you talking about? We're invited guests. What makes you think you can treat us like this? No. Wait. Maybe this was Ningguang's plan all along. She pretended to invite us to the Jade Chamber, but set up a megalith ambush here to arrest us. Ugh. Now Paimon's mad. You, over there. This is a trick, isn't it? How shameless. What? We're just on guard duty. What do you mean, shameless? What nonsense! Seize these suspicious intruders at once! Bon, bah, du coup, voilà, à cause d'elle, hein? Well, here they come! Line them up and knock them down! Genre, t'es forte à Genshin. Ouais. Non, 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 j'ai mes faiblesses, ça c'est sûr. Let's dance! Yeah. Ah! Dodge this. Windblade. Merde. Chaque fois, je fais la mauvaise touche. Freeze. Ah, y en a un autre qui est apparu là. Il est où? Ah bah il est là. Ah il était par... il était tout en bas. Ah bah il est pas mort. Two arms. Take the target alive. This moment will be frozen in time. Windblade. Be gone. Ils s'en vont, ils s'en vont. Mort? Allez, remontez! Là, je redescends pas, moi. Hein. C'est mort. Ah, bah, ils sont là! Who goes there? Let the show begin. Oh! C'était pas. Attack! Allez, du coup, hop, c'est pas. Cool it.
jamais su à quoi il servait. Take the target alive. Encore. C'est pas possible. Let's dance. Voilà, ils sont allés dans le bon sens. Voilà. Alors déjà celui-là je le tue. Voilà. Non. Pardon, j'ai crié. Oh, c'est pas possible. Oh, ça y est. On commence. Non, c'est pas possible. Oh, purée. J'en peux plus. Wow, c'était quoi ce bruit? Merci pour l'abo. Who goes there? Attack. J'avais pas l'habitude d'un bruit comme ça. Ah, du coup, je suis en train de recommencer le combat là. Oh, trop chiant. Take the target away. Don't get frostbite. Merde. Hop. Allez, les fais pas tomber. Il est mort, c'est bon. Ah oh bah, ok, j'ai pas tout recommencé. C'est une soucoupe Stop. Volante. Oui. What's all this about? J'ai vu, ça commençait à disparaître. Oh, c'est Jean, non? Lady Coaching. Ah non. These two strange people suddenly appeared. They seem to have designs on the Guizhong Ballista. En même temps, qu'est-ce qu'elle aurait fait ici, Jean? C'est pas du tout sa zone. Who are you calling strange? Hmm? You want to go to the Jade Chamber? Who are you? We're invited guests here to look for the Liyue Qixing. Who are you? Well, as it happens, I am one of the Liyue Qixing. Okay. I'm Kuching, the Yuhong of the Qixing. Aliot, okay. I know of you, traveler. You're Ningguang's guests, yes? Didn't expect to meet you here in the mountains. Wow. Paimon didn't think we'd meet some super rich big shot out here in the middle of nowhere either. The Guizhong Ballista in Tianheng Pass has long been in disrepair. And yet, it was fixed in a single night. I came here to investigate that occurrence. These Millilith are just here to guard the scene, not to arrest anyone. So, this was all a misunderstanding? Paimon never would have thought. Ben, il voulait quand même nous arrêter, hein. Anyway, for a mortal to be able to repair an adepti mechanism is quite the mystery, even to the Qixing. That was... Eh? Oh, right. So, Lady Yuhang, might you have any idea why Lady Tianquan invited us to go to the Jade Chamber? Just call me Kuching. I'd say that Ningguang's purpose is to request that the savior of Mondstadt take a more neutral stance. Or at least, to not wholly side with the Adepti. We're not taking sides. We spoke with the Adepti. They want to protect Liyue as well. When you say protect, you're referring to their sanctimonious arrogance, aren't you? Huh? You are mortals, and thus under their protection. There was no way they would have regarded you as someone with the ability to assassinate a god. Naturally, they would also regard Ningguang's locking down the area, questioning the citizenry, and pursuit of the assassin to be pointless work. Perhaps they even wonder if there might be a cover-up.
I'll say it like it is. They're underestimating us. Well, you've got a point there. Still, this is the first time Paimon's seen a person from Liyue who doesn't respect the gods or the Adepti. Should I respect the shallow sense of time and condescension to mortals that has caused them to delay in moving against us, Qixing? Forget it. I shouldn't speak of them this way. This skepticism is mine alone, and Ningguang does not share it. Either way, I will admit that the actions of the Adepti this time were quite restrained. Rex Lapis's death is indeed an extraordinary circumstance. But to think that they would call for a council of Adepti rather than come down here directly. How surprisingly civilized of them. Well, for Ningguang, she would talk anything and everything out if she could. But I doubt we can do that here. The time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Another super bold statement! I'll stop here. Honestly, I hadn't intended to say so much. But you're a good listener, Traveler. You should both be off to the Jade Chamber. Don't be late now. Ningguang's schedule is packed to the gills all the way till next year. The cream of Liyue's mercantile crop all see ascending to the Jade Chamber as the greatest honor. Each brings rich gifts as they visit, all to curry a little favor with Ningguang. Favor? But... Wait, that's right! Greeting gifts are a staple of Liyue's culture! We need to get one! Not to curry favor or anything, just to... respect Liyue's culture! Alright, alright. You can decide on your greeting gift yourselves. Let me tell you how to get to the Jade Chamber first. You didn't actually have to come to Mount Tianheng. Go back to Liyue Harbor. Find a guide at the Yuehai Pavilion, and... Well then. May we meet again, Traveler. Okay. Well, that Yuehung may not respect the gods, but Paimon thinks she's a pretty cool person. So... what should we give to Ningguang when we see her? Oh, right! Paimon dreamed of an amazing snack last night! Sugar frosted slime! Oh. Paimon has a dream that it would be perfect for a super rich person like Ningguang. Why don't we go with that for a gift? Nope! But Paimon's sure that we just need to make it with some boom shakalaka! Ah, je suis pas sûre que j'aurais aimé hein, y goûter. Let's go gather ingredients. Time waits for no one, and neither will our riches. Ah, j'ai pas dit que je kiffais pas. J'ai dit que j'aurais peut-être pas goûté moi. Alors. Ah, ça me fait aller au même endroit. Bon, ici, est-ce que c'est loin ou pas? Si je fais suivre. Oh, bon, bah je vais monter au moins jusqu'au point de téléportation. Ça, ça va être pas mal. Au moins, il sera activé, celui-là. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un coffre par là? Oh. Il y a un défi. Hop. Juste là. Tac. Alors, t'es pas curieuse de connaître le goût? Ah non, pas du tout. Parce que toi, oui. Après, chacun son truc. Hein. C'est étonnant, je pensais qu'il y aurait eu un coffre par là. Je regarde quand même. On sait jamais. Non. Bon, faut que je retourne par là. Un endroit plus simple pour monter. Ah, t'as déjà goûté! T'en as de la chance, dis donc.
T'as demandé à la voyageuse de te le cuisiner? Non, non, ça ira. La voyageuse, elle peut en manger, pas moi. Ne merci. Ouais, s'il n'y a pas des trucs quand même, parce que... Il y a quand même des sacrées plateformes. Oula. On va peut-être pas s'arrêter maintenant. J'y retournerai un autre jour. Encore plus haut. Hop là. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à faire ici? Non. Ok. Eh ben, c'est parti. Hein. On va aller chercher les matériaux. Ils nous disent pas ce que c'est. Ça, ils sont à deux endroits très très proches l'un de l'autre. Il y a des sacrés défis quand même, je pense. Parce que là-bas dans l'eau, je sais pas ce que c'est, mais à mon avis, c'est un truc compliqué. Merde, il a bougé. It looks crystal clear. Very delicious. That's the one. Oh, mais c'est vrai, celle-là, elle est morte. Ah, je peux appuyer ça longtemps. I'll protect us. Freeze. Pourquoi j'ai fait ça? N'importe quoi. Windblade. Non. Cool. Voilà. Il a rien lâché là en ingrédient? Ah, il l'a récupéré automatiquement. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose par là? Un petit coffre? Tiens, c'est quoi ça? Ah si, j'en avais déjà récupéré ça. What's the hurry? Oh, des gardes. Huh? Is it just Paimon? Or is there a sweet fragrance in the air? Huh? Did you hear that? It seemed like it came from those ruins over there. Prisonnier. Uh-oh. It looks like the treasure hoarders have locked someone inside. Ouais, ça va le faire. Ils sont pas beaucoup par rapport à tout à l'heure. Je fais n'importe quoi là. Je fais vraiment n'importe quoi là. Ça, ça va être pas mal ça. Allez, cassez-vous, vous. Ils sont combien, là? Il a paru d'où, lui? Fight.
déjà, hop, t'es mort. Déjà, lui, il est revenu. Oh bah, il est mort. Tiens. Ok, fallait que je prenne ça. Pas de soucis. Ah bah, il y a. C'est bon? Non. Let the show begin. Windblade. Cool it. Don't get frostbite. Ok, c'est bon. Bon, je sais pas ce que j'ai branlé là, mais j'ai fait n'importe quoi. Oublie pas la vue élémentaire, ça aide bien. Ouais, je sais pas. Oui. Thank you for your help, kind travelers. If you hadn't come to my aid, I surely would have rotted in this cell. Those treasure hoarders, when their mood was good, they'd rearrange those pots of sweet flowers. When they were in a bad mood, they'd rearrange my face. Is nothing. No need to thank us all at once or anything. I understand. Don't worry. I will compensate you both. Oui, oui, je sais que la vue élémentaire, c'est le clic, la molette. Mais pour quelle raison, je sais pas. Les fleurs sucrantes, tu parles? Don't say that. I only escaped this predicament because of you. I'm Meng Dan, a supplier for Mingxing Jewelry in Liyue Harbor. I often walk around these mountains in search of antiques. I never expected that those treasure hoarders would have their eyes on the same ruins that I had. Before I knew it, they'd caught and imprisoned me. Is there anything that you lack? Antiques, treasure, various knickknacks, you name it. Well, as long as you want what I have to offer, of course. Wait a moment. Actually, we are looking for something. Oh? And what might that be? Do you have a box that can store presents? We'd like a pretty one. The kind that you can use to store snacks. Of course we do. How can one sell antiques without gift boxes? At Mingxing Jewelry, we have the best gift wrapping service in the Seven Nations. Now just give me a moment and I'll let the boss know. You can go see her whenever you require that box. Ça aide pour montrer plus facilement sur quoi tu peux interagir. Ouais, ça je l'avais. Et c'est en surbrillance gris. Ouais, ça je le savais. Par contre, d'ailleurs, il y a un truc que j'ai essayé de faire ce matin et j'ai pas réussi. Donc peut-être que tu pourras m'aider là. J'y retournerai juste avant de finir le live. Great! Paimon Sugar Frosted Slime now comes in a beautiful package! Enfin, si je retrouve l'endroit. Alors, il faut aller où? Pour retourner dans l'IU? Ouais. Hop, tac. C'est reparti. Tu peux expliquer c'est quoi? C'est un élément qui demande d'utiliser un certain... Non. Comment je peux t'expliquer? C'est une espèce de structure aussi haute que moi, là. Et ça demande à ce qu'on utilise un certain élément. Mais quoi, je sais pas, j'ai pas compris. J'ai essayé l'eau et la glace, ça a pas marché. Mais je vais te montrer. Hey there! A guy called Meng Dan told us that we could get a nice and shiny box from your store. Bah la couleur était bleue, le dessin dessus. Enfin, comment t'expliquer, je sais pas. Uncle Meng already told me about it. Thank you both for saving him. Many of the best goods in our store were found by Uncle Meng. If anything were to happen to him, it would be impossible for us to continue doing business. Here, this container is itself an antique, with at least 140 years of history. Un peu vert. It's already been cleaned. Je sais pas. Will it do? Bah non, c'était pas un logo d'éléments, c'est ça le problème. Yep, yep, yep. It's great. Je crois pas. A moment.
Could we borrow one other thing? Sure. Please help yourselves. As long as it's on our shelves. Traveler, this clay pot looks really awesome. If we use an antique as our mixing bowl, we should be able to make a great snack. It's done! The one and only sugar-frosted slime! Carefully now, into the box it goes and dust it over with a bit more powdered sugar. Vraiment mal que ça te dise rien, parce que là, je t'ai expliqué un truc. Même moi, j'aurais rien compris si quelqu'un me l'avait expliqué. Oh, yes. You might want to use these two freshly picked flowers as decorations, too. Woohoo! It looks beautiful! Ah bah nickel, même pas besoin de cuisiner, c'est pas mal ça. Great! Now that we've put all that we've got into this box, let's go to the Jade Chamber to see Mingguang. Alors, maintenant il faut retourner ici. Ok. C'est parti. Tu vois pas le chemin qu'il faut faire pour aller à un endroit sérieux? Qui paraît tellement proche sur la carte, mais en fait il est loin. Bienvenue dans Genshin. Bah oui, oui, oui. Ça c'est sûr. C'est quoi celle-là? Lys Verni. Ah, bah celle-là. Ok. According to Kuching, this is what we should say. Excuse me, do you sell the moon here? Ok. Yes. How many would you like? It's not convenient to speak of numbers here. Ah, well said. Please, use this to ascend to the chamber. Yes. Speaking of which, are you two the guests that Lady Ningguang has arranged to meet with today? Yes. Yep. And yet the code they used was not the one for guests, but for the Yuhang. What's going on here? I don't know. I've been waiting for you, returnee from Joyeon Karst. It's Ningguang! Since this is our first meeting, we've prepared a gift. I hope you like it. Oh, for me. You have my thanks. It seems that I have made things difficult for you, considering that you were supposed to be my guests. Oh no, it's nothing! I'm glad you like it too. This palace floats in the skies, higher than the peak of any mountain. From this vantage point, one may survey all of Liyue. I have been gathering the funds necessary to build it from the time I began learning the merchant's craft. And since becoming the Tianjin, I have spared no effort in hiring the best craftsmen to constantly extend it. At first, it was but the size of one room. Now, it is large enough to blot out the moon in the skies above Liyue. One day, I believe it will overshadow all seven nations. Not many from outside Liyue earn the right to ascend to the Jade Chamber. But I have been in correspondence with the acting Grand Master of the Knights of Favonius, who spoke highly of you. As such, I have been putting eyes and ears out ever since you reached Liyue. What? And I finally got wind of your movements when you were on the way to Wangshu Inn.
right! Was Verk Goldet one of your people? Just Verk Goldet? No. Everyone at Wangshu Inn is one of ours. Ah, c'est pas l'autre, ça. At the Guizhang Ballista, yes? You weren't peeking on us from the skies the whole time, were you? I fear that peeking would have been a little difficult from this altitude. Our eyes and ears are more than sufficient. You two are very interesting people, after all. It would be natural to take an interest. Well, I wouldn't expect you to trust us, considering that you have had far more interactions with the Adepti. The reason I invited you here was to clear up some misunderstandings. Okay. Ah, c'est pas fini. Faut que je la suive jusqu'ici, c'est ça? Non, faut que je fasse F. Okay. I believe that you've heard of the Archon War. Oui. Many gods used to walk this earth, and many long wars were fought between them that did not abate until 2,000 years ago. Much blood was shed, and many lives were lost. In the end, only 7 victors remained standing in Teyvat. They built cities and nations on the corpses of the vanquished, and thus began the era of the 7. You can see Goyun Stone Forest from here, I trust. It is no natural rock formation. Those are giant spears of rock hurled by Rex Lapis during the war. Beneath the spears lie those cast down by Rex Lapis in those days, gods that failed to seize the title of Archon. Not only is it true that gods may die, but so too has the membership of the 7 changed over the last 2 millennia. Rex Lapis's passing is an unimaginable disaster for Liyue, but the Order of the 7 will not collapse simply because of that. Another Lord of Geo will arise sooner or later. Yet, how are we to forget Rex Lapis? When that time comes, the relationship between the people of Liyue and the gods and Adepti will surely be different from before. Even in a new era, the Liyue Qi Xing remain Rex Lapis's former subjects. Do you really think us capable of having played a part in his demise? Of lacking the foresight to see the certain repercussions? That day at Yujing Terrace, it was also very sudden. Even I was caught completely off guard. You were there. You no doubt saw. But our enemy has long lain hidden within the harbor. If we do not act against them now, they will surely gain the upper hand. Hiding the Exuvia was a necessary maneuver to take the initiative back. To play the spider while our foes scurry about. Who's this enemy you're talking about? What do you think, traveler? Huh? What are you two talking about? Alors là, moi, aucune idée de qui je parle. Well answered. C'est quand même pas celui qui nous a aidés depuis le début. The scenery out here is fine indeed, but the wind is a little strong. Our preparations to receive guests within are complete. So please, this way. Ils vont pas nous le dire là. Là, il y a que des sous-entendus, non mais c'est quoi ce travail? Faut que j'aille juste là-dedans. Ouais, c'est ça. Regarde, il y a peut-être des trucs. Non, il n'y a rien du tout. Pardon. Ah, attends.
Ah, j'ai rien à récupérer en fait. Okay. Be at ease, you Merci. Two. Make yourselves at home if you wish. Can we really? I have invited you two here as friends. And when friends come over to play, our enjoyment comes first. Naturally. Ooh, isn't this that legendary wall? Why, you've kept your ear to the ground, I see. That's because even the storytellers are talking about it. Everyone's after a piece of paper from that wall. It's super famous. That's because that wall records Leo's secrets. Merchants have always been attracted to secrets. But the secrets of the mercantile world are of no interest to you, are they, Traveler? You're rather special, really, and I think you're quite aware of that. If possible, I'd like to have your trust. But if you were to choose the more trustworthy person between myself and Kuching... Hein? Bah, c'est débile comme question. je mets ça. Voilà. You'd pick Kuching? I originally thought her a bit too hard-headed. Ça marche. With someone of her character on the Qixing, I've had some extra messes to clean up behind the scenes. But after she said those words, the time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Well, I must say that quite a few of my doubts have been dispelled. I won't deny that Rex Lapis's passing seems advantageous to us. But for Liyue's sake, we cannot allow ourselves to be shackled by rumors of our usurpation of power. Indeed. It seems that you understood what I meant to say from the very beginning. I called for the gag order and for the Exuvia to be hidden to temporarily stabilize the situation, and also to prevent something similar to the incident in Mondstadt. With Rex Lapis's death, the Fatui have busied themselves with many clandestine actions beyond their diplomatic remit. As the Tian Chuan, one responsible for Liyue, I cannot be too concerned with appearances when opposing them. Allowing the rite of parting to take place was also meant to buy some time for us to take control of Liyue's administration. It's exactly as Zhongli said. The Qixing only provided the venue for the rite so they could use us for their own ends. Wait, that's right. Speaking of ends, could I say one other thing? Of course. Byman's heard that anyone who sends a greeting gift gets a little something in return. So, does that include us? It's all right. I like direct people. Well, we have made quite a bit of trouble for you recently. How about this? You can pick any one object here as you please, and you may take it with you. Yay! Paimon was just waiting for you to say that! Let's see... What? One of the sheets on that wall! Quoi? Don't look at Paimon like that! One of these sheets of paper will sell for crazy prices, even if it's only as large as Paimon's fingernail! Just imagine how much more a whole untorn sheet would sell for! Ça va surtout pas nous servir. Let's grab one! The biggest one! Oh là 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 là! Bah forcément, on va prendre le plus grand. Huh? Well, that was an easy search. The biggest sheet is right up there in the most obvious spot. Let's go with that one. La 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 la. Let's see what's written on it. Huh? There's a place marked with a circle on here. Oh, could it be treasure? Whatever it is, it better make us filthy rich. Let's see what's written over here. Sigil of permission, something, something, Fatui, research, copy. Huh? Aw, that doesn't sound like treasure at all.
paper shows that a Qixing spy discovered traces of classified Fatui research on the Sigil of Permission. Oh, Ningguang did say that the Fatui have been up to all kinds of mischief in the shadows of Liyue. Spreading rumors, wanting to get their hands on the Archon's body and whatnot. But research on the Sigil of Permission? Paimon wonders what they're up to. Speaking of which, there's also some connection between you and the Sigil of Permission. Seems there's still more for us to find out. Oh, you really think so? Well, should we not go then? Oh, so you're saying that it's precisely because we can't completely trust Ningguang that we should confirm the truth of what she says for ourselves. That's way out of Paimon's league. Paimon thinks she's been nothing but good to us. Bah, elle a toujours été sympa, on vient de la connaître. Anyway, we'll see if you're onto something. Before we look for Zhongli at Dihua Marsh, let's go to the place marked out on these papers and see if the Fatui really are up to no good there. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à voir ici? Ah. Yes. Ah, là. J'avais pas vu. Je regarde s'il y a d'autres choses, quand même. Parce que d'ici, est-ce qu'on revient là? Pas sûr. Ah. Ah, non, je peux m'asseoir. Ça, je m'en fous, je m'asseoir. Non, il n'y a rien par là-bas. Parle toute seule. Bah, c'est où? Ah. Finir par vous donner le tournis. Ah oui, mais c'est loin en fait. Ah. Et du coup, on doit faire quoi là-bas? Parpaing solitaire. Bon, le point de téléportation n'a pas été activé, donc je me téléporte à statue des 7. Hop. Tiens, je vais donner aussi, je vais faire une offrande. Tout offrir. Ok. Je sais plus à quoi ça sert de faire la bénédiction de la statue. Ah, ça sert à rien. Non. Ok. Donc, on a un animal quelque part. J'imagine qu'il est au-dessus. Non. Si, peut-être. Par là ? Je le vois pas. Ah si ! Oh, j'avais bon. Purée, j'ai sursauté. Non mais n'importe quoi, moi il m'en faut peu vraiment pour n'importe quoi. Pouh. Ah, il est pas mort. Et l'autre non plus. Allez, mais je veux bien que tu descendes. Tu veux pas descendre? Allez! Je suis coincé sur le toit! Attends, mais tu vas où? Voilà!
un coffre. Tac, comme elle, je l'ai récupéré. On crame ça. Opening a chest is like unwrapping a gift. Ok. Donc. Ouais, encore des monstres pour un coffre. On va faire ça en même temps. Oh, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Tiens, pourquoi il y avait du feu? Ah, c'est moi qui crame. Ah, je crame plus. Et voilà. Oh, il est beau le coffre. Il n'y a pas grand-chose. Anémone du médecin itinérant. Tac. D'ailleurs, je vais aller activer le point de téléportation, là-bas. Ah, c'est quoi, le veut? Ouh, ça, c'est des ennemis que je veux pas battre. On verra ça plus tard. Ou alors quand j'aurai remis le niveau du monde plus bas. Alors... Oh non, faut que j'aille là. Oh la blague. Ouais, vaut mieux que j'aille mettre le téléporteur là. Et j'ai l'impression qu'il est tout en haut de ce machin. Ça m'aide pas. Ah non, il me dit que c'est en bas. Bon, il doit y avoir quelque chose par là. Tiens. À part ça... Non, la pierre se casse pas. Oh, un coffre. Alors, comment est-ce que je le détruis, ce machin? Oui, bon, juste comme ça. Ok. Ça, c'est pas mal. Ah bah, il est là. Bon. C'est pas là, déjà. Mais c'est là-bas. Oh. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Il y a un coffre. Je sais pas ce que ça a activé par contre. What? Il me fait peur là. Je sais plus ce que c'est ça. Oh, je me rappelle plus. Du coup, faut que je le refasse. Hein. Non, c'est pas ça. Aucune idée. J'ai pas envie d'aller les battre, il me fait peur. Faire peur. Oh non. J'aime pas du tout ça. Let's end this quickly.
Windblade. Non mais il me défonce. C'est quoi ça? Allez. Dodge this. Oh, so sorry. I will end you. Let's end this quickly. Prepare to be blown away. Let's not waste time. Cool it. Wimbledon. Aïe, 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 aïe. I slipped up. Frozen. Ok, en voilà un de mort. Par contre, l'autre, je sais pas comment je vais le tuer. Oh! Attendez. Objet expiré, c'est quoi ça? Ah, c'est pas grave. On s'en fout. Manger. Salut. Alors, qu'est-ce que je vais lui donner à bouffer, là? 22%. Un truc qui lui donne de la force aussi, ce serait pas mal. 40%. Oh, ça c'est pas mal, ça. 40%. Oui. Pourquoi t'es stressée? Comment dire? Je vais me faire défoncer. Chill to the bone. Windblade. Cool it. Fine. Freeze. Non! Va-t'en! Ah, mais attends, j'ai pas utilisé Ember en plus. Trop bête. Ah, bah oui. Let it rain. Oh là là, depuis le début, c'était Ember qu'il fallait que j'utilise. Pour lui, en tout cas. Merde. Ouais. Ça c'est beau ça. Pas du tout ça que je voulais faire. Je suis restée beaucoup trop proche. Non. Pas du tout. Cold cut platter. Flash frost. Ah mince. Don't get in the mince. Cheating. I'll race you there. No escape. Bet you can't keep up with me. Frozen descent. Yeah. It's time for a flash freeze. Frozen. I'll race you there. Oh, dans la tête. Et une dernière. Bim. Enfin. Alors attends, t'as écrit beaucoup de choses là. Pas besoin de les battre, eux, je crois. Bah, je sais pas, j'étais dans la zone. Ah non. Observez les recherches des fatuits. Bon, c'est pas grave. La pote l'avait fait. En vrai, faut que tu commences à utiliser Mualani. Elle t'aidera bien mieux. Ouais, mais elle est dos. Oula, il y avait un autre là-bas. Oui, c'est pas activé. C'est pas grave.
vais aller le défoncer. Let's stand. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Cool it. This moment will be frozen. Ready, steady, go. Ok, je me redonne de la vie, ça c'est pas mal aussi. Je sais pas du tout s'il faisait partie ou pas de... Bah, il est où? Oh l'enfoiré, il a... Il est géo. Tiens, moi aussi je suis parti. Et où? Prepare to be blown away. Use this first. Dodge this. Windblade. Yeah. Merde. X. Oh l'enfoiré. On va peut-être partir là. Ah non. Bon bah je vais me prendre... me prendre un de ces chassés. Bim. Ah oh mince, il est plus enflammé. Il est mort. Ah, oh, il y en a un autre là-bas. Mais il y en a combien? C'est le même? C'est une blague? Ah, j'ai cru qu'il n'avait pas gelé. Ah bah, yonk. Ouais, lui, il est de feu, ouais. Je suis en train de le canarder. Freeze. Ah. Mince. C'est pas du tout ça que je voulais faire, chou. Ah. Ça y est. Oh, il a disparu comme ça, là. Elle grimpe n'importe où, aussi, elle. Ok, donc là, il n'y a plus d'ennemis. Donc si je monte encore un peu, il doit y en avoir encore un. Bah ouais, là-bas, bien sûr. Ou c'est ça qu'il faut que j'active? Oui, c'est ça qu'il faut que j'active. Par contre, j'ai vu un truc. Attends, je redescends. Ça. Ça, tu vois. J'active. Mais après, je fais comment? Parce qu'en bas, aussi, il y a un truc à activer. Mais ça dure pas assez longtemps pour que je puisse aller l'activer. Et il est juste en dessous, ici, là, sur le côté, là. C'est en bas d'abord. Ok, en bas d'abord. Pas de soucis. Et après, je fais quoi?
Parce que je vais jamais avoir le temps d'aller en haut. Soit fais faire avec un pote, soit t'as un perso pour. Ah oui, d'accord, ok. Mais ça m'aide pas. Parce que là, le temps que je remonte, c'est foutu. Ouais. J'ai essayé de désactiver. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Je le ferai une autre fois. Tant pis. Allez, on monte, on va faire la quête. Je fais celle-là et après je te montre où est-ce que j'ai pas trouvé le truc à activer. C'est près de mon stat. I haven't seen this pattern before, but where? Where? Oh, Paimon knows! It looks just like the sigil of permission the child gave you! But how did a relic of the Adepti end up in the hands of someone like child? Suspicious. Oh, that's right. Cloud Retainer said that when the Lord of Geo created the Sigil of Permission, it wasn't to be used as some old relic. Talismans like that were once used in the Archon War to channel divine powers. Maybe the Fatui are copying the Sigil of Permission in hopes of achieving a similar effect. Mm-hmm. Being able to channel divine power in battle? Whew. That sounds pretty dangerous. And the plot thickens. We'll need to keep an eye on Child, that's for sure. All right, that's enough sticking around here. We gotta go meet up with Zhang Li soon. The last stop on our rite of parting preparations tour is Dihua Marsh. Let's go! Paimon hates being late. Bon bah Zhongli, j'irai plus tard. Au prochain. Du coup, j'ai dit qu'il fallait que je te montre. Alors c'est Tour du Guet. Alors je sais plus si c'est celle-là ou celle-là. Je crois que c'est là, mais je suis pas sûre. C'est pas grave. On va essayer l'une et l'autre. Comme ça tu pourras me dire. Celle-ci, elle est juste à côté. On va regarder d'abord. Mais ça m'étonnerait que ce soit là. Ouais, non, ça c'est le défi. Donc de l'autre côté, ça doit être ça. C'est pas ça. Ah, c'est là-bas. Je le vois. Bien évidemment, il y a les monstres qui sont revenus. Ah, nouvelle quête, la détresse de Lynn. Parlez à Lynn. Encore un ennemi. Bah ici il y avait un coffre, mais j'ai déjà eu. Et du coup c'est là-bas. Alors celui-là je le détruis aussi parce que ça il va me faire chier. Là, c'est ce truc là là. Je sais pas comment on l'active parce que il apparaît bien en gris, donc il y a quelque chose à faire. J'ai fait cette erreur. Quelle erreur? Quelle erreur? Merde, je suis en train de faut que je recommence à le tuer là. Oh.
so sorry. Bah, il est où? Ah. Petit enfoiré. Ok. Donc, c'est un défi que t'as terminé. Ah! Mais il le retire pas. Il reste en gris le truc. Moi j'étais persuadée que c'était un truc que j'avais pas fait et qu'il fallait que je trouve ce que c'était. Mais bon, attends, tant mieux. Tant mieux si c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Le truc rouge en haut est enlevé. Oui, c'est ça, c'est la petite épée qui est censée être plantée dedans. Je me sens un peu bête du coup. Non, c'est pas grave. Au moins, j'ai ma réponse. Parce que je me posais la question ce matin, je me suis dit, mince, je suis bête ou quoi? Bah ouais, du coup, je suis bête. Hey, je crois que j'ai la connexion. Elle est où? Ah non, je l'ai déjà faite. Ça, c'est quoi? Je m'en rappelle plus. Oui, ça, c'est les événements. C'est lequel? Oui, j'ai pas encore le niveau pour aller sur l'événement. D'ailleurs, c'est quelle quête? J'ai rien entendu. Ouais, t'as rien entendu, on est d'accord. Donc ça, c'est bon. Hello, nice to meet you. C'est quelle quête, là, les 500, je sais pas quoi, là, que tu me disais? J'ai pas choisi mon perso. Quel perso? Ah, là? Non? En bas. La théière de vos rêves. C'est ça dont tu me parles? Tout en haut. Ah, on recommence. Ça. Inviter le personnage. Ah, d'accord. Alors, elle, je l'ai. Lui... Quel perso? Mona. Bah elle, je devrais prendre. Ce serait pas mal. Ou elle. J'ai pas encore essayé ceux qui font la santé. Choisis bien. Ah ouais. Choisis bien. Je les connais pas, les persos. Tignari, c'est elle. Ouais, bah après je peux... C'est pas la santé. Bah c'est quoi alors? La vie? Non. C'est un gars? Ah. Je savais pas. Ah, une tête de fille. Les plantes. Eh bah j'ai pas encore essayé les plantes. Alors je prends celle-là. Vous ne pouvez inviter qu'une seule fois pendant l'événement. Coup fermé. Bim! I'm Tainari. Ah oui, t'as raison. Il y a une voix de mec. My duty is to preserve both the rainforest's ecosystem. Je sais pas la forme du visage, on aurait dit que c'était une nana. If this is your first time here, I suggest you first peruse the Avidia Forest Survival Guide, paying particular attention to. Ça aurait pu, hein. Et du coup, les 500 que tu parlais à gagner, c'est où? C'est quoi? Le en bas là. Let the magic begin. Non, c'est un permanent ça. Ça. Il y a pas de 500 trucs non. Juste en haut. Là. On peut y arriver. OK. La nation des sauriens. Ah, ça va, il y a encore 26 jours pour le faire. Ouais, bah je le ferai la prochaine fois en live. Si c'est bien comme comme quête, ouais, je la ferai. Qu'est-ce qui est bon? Disponible après avoir terminé Histoire du soir. Ah, je l'ai pas terminé. Les plus rapides pour y aller direct.
Ouais, je le ferai la prochaine fois. Tranquillou. Let the magic begin. Parce que là, je suis un peu fatiguée. Je crois que j'ai tout fait. Tiens, j'ai un point d'exclamation. Ouais, elle, je peux pas l'élever. Ah bah oui, c'est mon nouveau perso. Mais du coup, il est niveau 1. J'aurais pu me le mettre à mon niveau. Tu peux faire des... 26 jours. Mais t'as toutes les quêtes à faire avant si tu fais des plus rapides. Ouais, bah, je ferai des plus rapides. Pas de soucis. Mais du coup, c'est chiant parce que... J'aurais pu nous mettre au bon niveau. Il a des grandes oreilles quand même. Ah, je peux pas l'élever. Bon, bah je vais l'élever en dehors. C'est pas grave. Comment ça, au vent ? J'ai pas compris. Hein ? Tu dis encore entre ? Entre quoi ? Oui, bah ils auraient pu mettre au niveau 40. Attends. T'as dit, il est niveau 1. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je me plaignais qu'ils aient pas mis au niveau... Parce que s'ils mettent un perso à dispo, autant qu'il soit à mon niveau. C'est pas grave. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Après, ça me fait utiliser des trucs à moi pour mes... Mais celui-là, ce perso, je vais pas le garder. Bah ouais, mais c'est chiant, parce que vu que je le garde pas, il part dans je sais pas combien de jours, là. Je l'aurai plus. Donc il va falloir que je recommence le jour où je l'aurai. Réellement. C'est un peu chiant, hein. Du coup, attends, je suis en train de faire quoi, là ? Ça. Non, tu l'as à vie. Bah non, je l'ai pas à vie. Ah bon ? Ah, je l'ai ? D'accord. Je pensais que c'était un gars comme ça qui nous laisse et qui nous reprenait dans 20 jours, un truc du genre. Je sais pas. Faut pas chercher des fois. Ah merde, j'avais encore un truc. Ah. Il est où ? Non, c'est pas ça. Ah, là. Tu connais mieux le jeu que moi. Ah non, ça c'est m'étonnerait. Mais du coup, si je retourne dans l'événement, il est où ? Attends, événement. Là. Let the magic begin. Que je retourne sur les persos. Non, c'est pas ça. Pas ça. Everything's ready. Hello. Ah, je sais plus. Ah non, je peux plus voir. Bon, je peux plus voir. Le premier. Bah non, c'est escapade machin. Bon, c'est pas grave. Je pensais qu'il y avait un délai. C'est pas grave. Tant mieux. Tant mieux pour moi. Bon, enfin bref. Ah, c'est l'air de dormir. Désolée, je baille. C'est pas poli. Ah ! J'ai quand même ça à récupérer. Là, une petite récompense. Bim ! Et c'est bon. C'est bon. J'ai tout récupéré mes récompenses. Et bah sur ce, moi je vais souhaiter une bonne nuit. C'est l'heure d'aller dodo. Bon, je sais pas encore quand est-ce que je vais restreamer. Sûrement ce week-end. Parce que là on est mercredi. Ouais, vendredi soir, un truc de genre. Ouais, vendredi soir. Allez. Et bah, à vendredi du coup. Salut, bonne nuit.